parti pour un entraînement du Whoop. Un agresseur peut surgir à tout moment, alors il faut toujours être prête. Tu cherches les ennuis, toi, hein? Oh non! Forcément répugnant les ordures ménagères. Quand ces surfeurs me verront glisser comme un poisson volant, ils seront émerveillés et ils voudront sortir avec moi. Et grâce à ces tout nouveaux mini brassards du Whoop, je ne serai pas ridicule quoi qu'il arrive. Je vais être à la hauteur aujourd'hui et une jolie figure pour attirer leur attention. C'est quoi ça? On n'a jamais vu de tourbillon aussi près du globe. Où sont les beaux sauveteurs quand on a besoin d'eux? Aidez-moi au secours! Je voulais attirer leur attention, mais pas comme ça. Oh là, mais quelle galère cette pile de linge. Entre les missions et les cours, j'ai pris du retard dans mes lessives. Oula, mais j'aurais dû m'y prendre avant, hein. Vu que j'arrive à ouvrir cette porte avant le début du cycle de lavage. Très drôle. Qui m'a poussé là-dedans? Ça m'amuse pas. Quel courage! On m'agresse et on s'enfuit? Mes vêtements sont propres et repassés. J'ai plus qu'à les ranger. C'est wouhou, faire de l'exercice, mais il faut penser à s'hydrater. Ça pouvait pas mieux tomber. Non mais allez, arrêtez! Moi tout ce que je veux c'est une bouteille d'eau. Ouais, je crois que je peux oublier ma monnaie, hein. Ça bizarre. Trois tentatives d'agression dans la journée. Vous croyez que c'est un hasard ou que quelqu'un a délibérément voulu se débarrasser de nous? Je l'ignore, mais qui nous aurait attaqué au même moment dans des lieux différents? J'ai entré les données de ces événements et je viens de recevoir les noms des prisonniers du Whoop qui pourraient être coupables. Elles sont là! Par ici! La situation empire. Nouvelle agression en vue! Elles sont là! Non, ces étudiants habitent le même bâtiment que nous. Ils veulent probablement nous inviter à une soirée, fausse alerte. Ne les laissez pas s'échapper! Vite, avant qu'elles s'enfuient! Alerte! Il faut partir d'ici et en vitesse! Jerry, vous pouvez nous whooper en urgence! Des étudiants nous traquaient! Merci de nous avoir sauvés! Vous avez vraiment fait forte impression sur le campus! Ils avaient l'air en colère après nous et on ne sait pas pourquoi! Vous verrez cela plus tard. Il s'avère que j'ai trouvé trois criminels dont le mode opératoire correspond aux agressions dont vous avez été victime. Foot propre? Madame? La dame tornade? Mais ils sont insoupçonnables puisqu'ils sont actuellement sous les verrous au centre de détention du Whoop. Mais c'était peut-être que des blagues d'étudiants. Pourquoi ils s'amuseraient à nous faire ça? Possible que ce soit un rite à l'université de taquiner les premières années. Bah, étrange façon de souhaiter la bienvenue. À propos de choses étranges, j'ai essayé de joindre Britney mais elle ne répond pas. Depuis quelque temps, je suis sans nouvelle. Comment? Genre... Yeah.
signe de vie, c'est pas du tout son genre. Elle a peut-être décidé d'en faire qu'à sa tête. Non, pas Britney. Aussi, je voudrais que vous alliez rendre visite à votre amie pour vous assurer qu'elle n'a rien. Amie, vous exagérez, on considère plutôt Britney comme une excellente partenaire. Bien sûr, Jerry, on va y aller immédiatement. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Voici des gadgets pour vous aider dans cette mission. Le mascara lance-filet, le sèche-cheveux tornade 9000... Une petite seconde. Je suis redevenue parfaite. Oui, en quelque sorte. Vous aurez aussi droit aux tout nouveaux bracelets ultra-froids qui peuvent changer toute matière non organique en glace. Vous inquiétez pas pour Britney, on saura vite ce qui s'est passé. Bonne chance, les Spice. Coucou, Britney, t'es là? Non, elle est pas chez elle. Regardez un peu sa belle collection de CD. Non mais je rêve, hein, c'est trop nul. Maintenant plus personne n'écoute MC Couche-Culotte, hein. C'est moi qui lui ai prêté ce CD, Alex. Oh, ce petit haut, il est atroce. Les couleurs sont moches et c'est même pas de la qualité. Je te signale que j'ai exactement le même. Ah, c'est vrai que je suis bête, inutile de chercher la faille chez Britney, elle est absolument parfaite. Oh, le casque d'entraînement virtuel du Whoop. Elle a sûrement dû l'utiliser pour s'entraîner à combattre les criminels. Il est hors d'usage, tous les circuits sont grillés. Ah, je savais qu'elle était pas parfaite. Elle prend même pas soin du matériel du Whoop. Si on est sans nouvelles, c'est parce qu'elle se cache, elle a honte. Je vais l'emporter pour que Jerry l'envoie en réparation. Bon, Britney n'est pas chez elle. Retournons vite à la fac. Il faut savoir pourquoi tous ces étudiants en avaient après nous. Vous les avez ici? Je veux voir ces photos, montrez-les-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Il semble très énervé. Et toi, tu ne l'es pas de voir que Mandy et Mindy sont là? Nous devons nous unir et lutter contre cette menace de salissure et ce comportement indigne. Ah oui. On est mal, les copines. Je crois qu'on va pas rigoler. Elle qui ne respecte pas la communauté, elle ferait mieux de prendre celles qui lui font honneur pour exemple. Regardez, oui, on est allé jusqu'à faire vernir nos ongles aux couleurs du blason de l'université. On oserait faire des choses pareilles. Oui, ce n'est qu'un horrible malentendu. Allez, dehors, on veut plus de vous. Dehors, on veut plus de vous. Personne n'envisage qu'on puisse être innocente. Nos premiers agresseurs étaient sans doute plus gentils. Avec cette véritable meute d'étudiants à nos trousses, ça va pas être facile de retrouver... Salut les filles, justement j'espérais vous croiser. Salut, qu'est-ce que tu fais ici? Je visite cette fac car au prochain semestre j'envisage de m'y faire transférer. Oh génial. Oh t'imagines tout ce qu'on va pouvoir faire ensemble, toutes les quatre. Dévaliser les boutiques, étudier, aller à des fêtes sur la plage. On apportera des noix de coco que je pourrais ouvrir facilement à main nue. T'es sûre que ça va, Britney? Bah oui, quelle question, tout va parfaitement bien. Je pourrais faire un effort pour moins de salir. Oui, je ferai attention. Qu'est-ce qu'ils voulaient, ceux-là? C'est la faute de Mandy et Mindy. Elles font une campagne pour tenter de nous faire renvoyer du campus. Ça, c'est ce qu'on va voir. Je vais les écraser, ces deux punaises malfaisantes. Oh, Britney, attends. Ces deux bécasses seront chassées du bâtiment et elles partiront vivre ailleurs. J'adore quand un plan se déroule sans le moindre incident. Oh, je trouve qu'on est trop génial. C'est quoi cet air? T'as quelque chose à nous dire? On ne salit pas la réputation de mes meilleurs amis sans avoir de gros ennuis. On peut savoir de quoi tu parles? De quel droit tu nous traites comme ça? Tu as froissé notre dignité. Qu'est-ce qu'elles font là-haut? Il est possible qu'un courant de basse pression venu du nord combiné à un rire d'humidité ait engendré un vent violent qui les a projetés dans cet arbre. C'est plaisant à voir, elles pendouillent comme des andouilles. Bon, eh ben, il faut que je vous laisse. Les filles, ça ne vous ennuie pas de m'héberger chez vous ce soir, hein? On t'invite, aucun problème. En tout cas, je lui laisserai pas mon lit. Elle aura qu'à dormir sur le canapé. L'espèce de saleté, nous on est toujours perchés, alors allez nous chercher une échelle et en vitesse. Ouais, je te promets qu'on va y réfléchir. Salut, à bientôt. Fond
fantastique. J'ai la plus géniale des garde-robes et je vais m'afficher dans cette stupide panoplie de professeurs. C'est un choix stratégique. On pourra se déplacer sur le campus sans se faire courser par une horde d'étudiants. La question est, qu'est-ce qui peut pousser Britney à se comporter de cette façon? C'est vrai que son petit sketch sur la météo était un peu bizarre. Mais le pire, c'est quand elle a parlé de nous ouvrir des noix de coco à main nue. Eve, est-ce que vous auriez vu ces trois filles? Non, aujourd'hui, moi, j'ai pas quitté une minute le terrain de foot. Hop, ces jeunes filles ont l'air adorables. Je ne sais pas ce qu'on leur reproche, mais c'est sûrement à tort. Vous devriez leur laisser une chance de s'expliquer. Ça permettrait de clarifier la situation. Elles se conduisent mal envers nous et à cause de ce mauvais esprit, elles vont devoir aller vivre ailleurs. J'ai honte de devoir fouiller dans les affaires de Britney, mais c'est la seule façon de savoir ce qui lui arrive. Et c'est la seule façon pour nous de rejoindre notre appart. Si ça continue, on va devoir passer nos examens de fin d'année par correspondance. Oh, vous ne trouvez pas cette grimpette trop facile? Faut croire qu'on est très très entraînés. Attendez, ces mains surdimensionnées, je les ai déjà vues. Ah, c'est gentil d'être venu me rendre visite. T'es une meilleure spy que nous, Britney, d'accord, on le reconnaît, hein, détache-nous. Non, degré de force, vous resterez ici. J'hallucine peut-être, mais je l'ai vu se transformer en fou de propre, en main d'homme et en dame tornade en quelques secondes. Peut-être que c'était un agent double en fait. Elle avait l'air d'être trop parfaite. Il se peut que le casque d'entraînement virtuel du Whoop ait bugué quand elle l'avait sur la tête. Elle a dû renverser de l'eau, il y a eu un court-circuit et ça a téléchargé les criminels dans son cerveau. Oh, génial, alors c'est trois criminels virtuels contre Britney. Plus jamais vous ne déjouerez mes plans, faiseuse de saleté. Je vais vous broyer comme des noix de coco. Je vous pulvériserai en vous soufflant dessus. Personne ne pourra nous empêcher d'agir désormais. Mais avant qu'on ne commence, main d'homme aurait besoin d'une manucure. Je trouve que ses ongles ne sont pas nets. Personne ne touche à mes belles mains. Tu ne sais rien faire à part brasser de l'air. On s'épuise pour rien, pas la peine. Main d'homme a trop bien serré nos liens. On peut pas les dénouer, mais on pourrait les geler. Non, c'est trop froid, non, c'est trop froid. Mais pourquoi ils fournissent pas une lampe chauffante avec? Hé, hey, vous partez pas d'ici! Désolée, mais on fait ça uniquement pour ton bien. Ça y est, t'es à nouveau toi? Maintenant ça va, oui. Ces trois criminels sont sortis de mon esprit, je suis libre. Tant mieux, la chose est réglée. Enfin une mission tranquille qui finit autrement qu'en grosse bagarre. Ce n'est pas encore fini. Si, on va y avoir droit en fin de compte. Attendez, fou de propre devrait être dans le cyberespace normalement, non? Apparemment le casque n'était pas assez puissant pour l'y renvoyer. Je vais vous balayer, faiseuse de saleté. Vous adorez le nettoyage, pourquoi vous vous attaquez pas à notre salle de bain? Quelque chose à ajouter? Oui, je me suis lavé les cheveux, mais pas depuis 3 jours. Oh, vous m'avez sali! Un peu de mascara lance-filet pour parfaire votre look. Oh,
Ne vous fatiguez pas, vous ne passerez pas comme ça à travers les mailles. Oh, main d'homme, comme vous en avez de grandes. Rien ne résiste à main d'homme. Attendez. Main d'homme. Comme vous êtes agressif. Libérez vos chakras. Oh, j'ai des égratignures sur les phalanges. Tout ça à cause de toi. Il n'y a qu'une seule chose à faire. L'éviter. L'anti-clover. Je vais t'écraser la tête comme une tomate cerise. Je crois qu'elle pense qu'elle dit. Tu vas lâcher, oui. Parce qu'elle est hargneuse encore plus que moi quand je mets des chaussures au moment des soldes. C'est ma dernière chance. Bien joué, Alex. Dommage qu'elle utilise ses talents pour faire le mal. Je parie qu'elle aurait fait une excellente masseuse. Ne croyez surtout pas en avoir terminé. J'arrive en renfort. Si j'étais pas sonnée, je serais probablement hyper énervée. Êtes-vous prête à subir une tempête de force 5, jeune fille? Non, 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 non. Je sais pas ce qui est pire, la poussière ou son haleine. Peur que c'est mal propre. Comme d'habitude, je vais devoir tout nettoyer. Ma mousse savonneuse peut venir à bout de tous les microbes, de toutes les taches et des spice résistantes. Merci de m'avoir sauvée. Oh, c'est naturel, les amis sont là pour ça. Oui, c'est vrai, Britney. Avec eux, le souci, c'est que ce sont des hologrammes. Un agresseur virtuel n'est jamais fatigué, alors forcément, ils n'arrêteront jamais d'attaquer. J'ai une idée. Pour sortir victorieux du combat contre ces filles, il faut les écraser grâce à la puissance de mes mains. Non, mon extraordinaire force cyclonique est bien plus performante que tes mimines. Quelle horreur, cette saleté, cette poussière verte! Je veux prendre une douche tout de suite! Assez tergiversé, je vais vous transformer en potage de pois cassés! Faudrait qu'on soit d'accord pour se laisser attraper! Un casque d'entraînement virtuel! Vas-y, Clover, c'est à toi, fonce! Avec plaisir! Belle tentative, mais ça ne fonctionne pas dans ce sens. Ah non, c'est plein de miasmes. Enlevez-moi ce casque. Je déteste les pellicules. Tiens, Alex, branche vite le casque. Y a-tu laissé aller, peau de propre? Alors je passe un grand coup de balai. La surtension du satellite les a désintégrés une bonne fois pour toutes. Ouais! Britney, t'es trop forte, ton plan a marché à la perfection. Ouais, comme d'habitude. Nos meilleurs techniciens ont réparé le casque d'entraînement virtuel. Il est à nouveau disponible si vous voulez vous entraîner. Non, merci, Jerry. Il est super, mais il nous a causé assez de problèmes comme ça. Ouais, je comprends. J'avoue que j'ai été fortement impressionné par votre façon de vaincre ces ennemis virtuels. Notre victoire, on la doit beaucoup à Britney. Elle a tout fait pour nous sauver. Je suis ravi que ça fonctionne entre vous. Aussi ai-je décidé que Britney se joindrait à vous pour quelques missions. J'aurais jamais dû en rajouter. Oh, je suis trop contente de savoir qu'on va travailler ensemble. Oh oui, oui, moi aussi. Qu'est-ce que tu fabriques, Sam? Je viens de me rappeler qu'on avait encore une petite chose à régler. J'ai infiltré l'ordinateur de Mandy et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. On peut savoir ce qui les met d'aussi mauvaise humeur. Des nouvelles photos, elles viennent d'être affichées. Tu devrais les voir. Mais d'où vous en faites ça? Oh, vous les avez trouvées où, ces photos?
sur qui a-t-on déjà vu ce vernis auparavant? C'est Mandy et Mindy qui ont répandu toutes ces saletés. Yeah, en fait, c'est Mindy qui a eu cette idée. N'importe quoi, c'est